There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the candy comes out. Come on, hit it! Hit it! Hit it! Give it a whack! Hit it! Hit it! You are off your joy. Take one of mine. Oh, my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Monsieur et Madame Bauer gagnent le prix du plus beau jardin. Ça, on le garde. Interdiction de se baigner dans la rivière. Il le censure. Salut à toutes et à tous, c'est X-Rouge, et aujourd'hui on se retrouve du coup pour le test gameplay de We Happy Few sur PlayStation 4. Comme vous pouvez le voir, nous incarnons Arthur Hastings, ici présent sur la photo, c'est le plus petit à gauche. Il travaille du coup en tant que rédacteur dans une grande boîte, et se charge du coup de valider ou de censurer les articles de journaux qui seront montrés à la population. Il est en gros badin, il s'apprête à prendre une pilule appelée Joy, et c'est là que toute la trame scénaristique se passe. Édité et développé par Compulsion Game avec l'appui de Gearbox, sorti officiel le 10 août 2018, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. 13,5 sur 20 en note pour Game Rankings. Et on va se souvenir de la situation pour que le jeu puisse démarrer. La pilule Joy, en gros, c'est ce que tous les habitants de la ville doivent prendre pour être heureux et voir le monde parfaitement, idylliquement. Et là, le protagoniste refuse de prendre cette pilule, nous fait un gros bad trip et voit le monde réel tel qu'il est. Nous allons du coup devoir découvrir tout ce qui se trame derrière, cette grosse supercherie d'un état beaucoup plus puissant. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a piñata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a mug on a drug. Well, come on then. Finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Donc durant ce gameplay, je vais quand même aller un petit peu vite car j'avais pu exceptionnellement jouer à l'alpha fermé qui date de 2016. Bon, c'était il y a déjà 2 ans, donc je connais très bien ce passage. À savoir que vous avez dû peut-être même le voir dans quelques vidéos de gameplay, trailer de présentation, mais je me devais vraiment de vous montrer ce passage pour ceux qui ne connaissent pas We Happy Few. Tout simplement parce que c'est un passage qui est trop important pour qu'on puisse le zapper dans un test. Donc on va accepter le document pour montrer un petit peu la vérité, tout ce qui se trame derrière, ouvrir les yeux des citoyens, même si je pense que ça n'a pas réellement de retombées ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas assez progressé dans le jeu pour voir s'il y avait... Un quelconque scénario alternatif à mes actions antécédentes. Donc voilà, on va valider absolument tous les articles, ceux qui sont censés être censurés. Donc voilà, sur l'aspect et au niveau du gameplay, attendez-vous, à ma grande surprise, à du BioShock en fait, à du BioShock si vous préférez. Voilà, c'est assez sympa, il faut un petit peu tout fouiller, il y a ce système d'alchimie, d'arbre de compétences, un certain petit côté RPG, pas de leveling, mais bon voilà, l'arbre de compétences appuie fortement le critère du RPG.
Il va falloir fouiller un petit peu partout pour se faire un petit stock d'items consommables, utilisables. Mais comme vous pouvez le voir, la pâte graphique, putain, c'est... Compulsion Game, en fait, c'est leur deuxième jeu, ou Happy Few. C'est leur premier était Contrast, un de mes jeux préférés sur PS4 qui nous avait été proposé gratuitement avec le jeu Warframe à la sortie de la PS4 le 29 novembre 2013. Et depuis Contrast, pas de jeu. Et je vous envoie dans la description au test gameplay de Contrast que j'avais fait il y a déjà 4 ans je crois, 5 même. Vous voyez, en fait, tout n'est pas awesome comme pourrait le prétendre le titre du jeu. Les ennemis que nous allons devoir affronter sont des bobbies. Les bobbies, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui, vous visualisez un petit peu les gardes de la couronne en Angleterre, ceux qui sont habillés en rouge avec une espèce de casque énorme, toque longue, noire sur la tête. Et bien voilà, en fait, les bobbies, ce sont les anciens policiers époque fin 1900. C'est, vous savez, habillé un petit peu en noir avec le petit chapeau melon. En cuir. La fameuse piñata. Donc voilà, un moment assez important. Vous allez voir en fait l'effet du bad quand on ne prend pas son joy. Voilà l'un des aspects du monde qui s'ouvre à nous. D'où le fait que je voulais absolument garder ce passage de gameplay. Pour vous dire dans quel monde en réalité nous sommes. La piñata n'était qu'un espèce de lapin. Et les viscères servent de bonbons dans le monde idyllique de ceux qui prennent la pilule. You are off your joy. Take one of mine. Bah non, forcément. Oh my lord. He's a downer. Voilà, apparemment je suis considéré comme un rabat-joie. Une meuf derrière a fait un malaise vagal parce qu'elle n'est pas habituée à voir des gens qui ne sourient pas. Vous voyez, en fait, on ne sourit pas dans ce monde. C'est nous, limite, les intrus, quoi. Les gens clairement non désirés. Les bobbies, les voilà. Vous voyez à peu près visuellement ces anciens gardes anglais. Donc voilà, le jeu se passe dans les années 60, dans une espèce de d'Angleterre alternative, un monde pseudo rétro-futuriste. Et vous le verrez par vous-même juste après. Voilà, ça c'est le moment généralement qu'on a dans les gameplay, enfin dans les trailers de présentation. Et là, on va s'attaquer aux choses sérieuses. Gros point négatif, les temps de chargement sont ultra longs. Ne m'en voulez pas, je scinde rapidement. Eh, sans déconner, je vous mentais pas. 3 minutes et 22 secondes juste pour se retrouver au même endroit. Le point négatif, vraiment, ça c'est le plus gros point négatif que j'ai pu noter pour ce jeu. Même si je pense que 14 en note moyenne, il le mérite. Parce que franchement, c'est vraiment sympa. Et puis, c'est un jeu solo. Et Dieu sait que je trouve que les jeux solo sont trop délaissés aujourd'hui. Avec une politique vidéoludique où est-ce qu'il faut forcément un mode online pour que le jeu puisse plaire. Et ça, je trouve ça assez chiant. Donc on va récupérer quelques consommables utilisables pour accéder à l'arbre des compétences. Vous allez voir ce côté ce petit côté alchimie, je vous le montre de suite. Donc voilà, il y a le marteau en haut, donc c'est là où est-ce qu'on peut construire tout ce qu'on veut. Et dès qu'on a assez de consommables, hop, on les unit et ça nous fait par exemple voilà, un rossignol qui pourra me permettre de crocher la serrure. L'équipement... Vous voyez tout ce qu'on peut avoir, bon, je passe vite fait. L'arbre des compétences, avec plusieurs branches, bien entendu. Et un récap rapide de vos signes vitaux, besoins et attributs. Donc voilà, on va continuer. Inutile de s'attarder plus longtemps sur le menu, à vous de le découvrir. On limite le spoil au possible. Il me semble avoir entendu quelque chose. On va continuer à fouiller vite fait. Très porté sur un... Sur les anciennes histoires des rois, on incarne Arthur, il y a son frère qu'il surnomme Percy. Donc, bon, vous savez que Percy est surnom de Perceval. On parle de la famille Hastings. On est en Angleterre. La légende du roi Arthur est omniprésente dans les indices. Là, j'ai récupéré une arme qui me permettra de pirater sans forcément avoir besoin d'une carte d'accès ou autre. Ah, les fameux masques de promesses. Ce sont des petits flashbacks qui vous apprennent un petit peu plus sur le lore.
C'est l'histoire donc, du coup, de ces deux frères, donc, du coup, Arthur et Perceval, qui ont été séparés à l'époque de la guerre. Ils ont été mis... l'un est parti dans un train que... Et les Allemands l'ont amené de force. Époque Seconde Guerre. Et donc du coup, les deux frères ont été séparés et l'un des objectifs, une des trames principales scénaristiques de ce jeu porte bien entendu sur les retrouvailles des deux frères. Voilà, donc là voilà, il me fallait une carte, mais je peux contrer tout ça avec le fameux truc de piratage qui ne sert qu'une seule fois. Faudra que j'en retrouve un autre. Oh, me dites pas que vous avez eu peur. C'est pas vraiment un screamer, ça. Barre d'endurance, R2 pour taper, L2 pour contrer. Bonne tech dans ta gueule. Au final, ça porte des masques de gens qui sourient, mais bon, ils sont pas si gentils que ça. Hein. Voilà. La sortie est ici. On va avoir affaire à un monde un petit peu plus ouvert, assez vaste. On peut porter ou fouiller les cadavres. Vous l'avez vu précédemment. Après, il le jette pas si loin que ça, mais il y a un point dans l'arbre de compétences qui nous permet de jeter les cadavres beaucoup plus loin. Ah d'accord, ok, j'arrivais pas à faire le lien entre sa phrase et la porte en face. Bon, ça, on s'en fout, on verra ça plus tard. Allez, on sort de là. Je bâche un peu sur le temps de chargement, mais là, je n'ai même pas cuté. Hein. Là, c'était directement là-dessus, il n'y a pas eu de temps de chargement. Donc, autant dire la vérité quand elle est indiscutable. Ça, c'est de suite Switch sur le monde ouvert. Enfin, le pseudo-monde ouvert de We Happy Few. Si je peux aller à la train station, je peux juste suivre le rail tunnel tout le way to the bridge. Donc voilà, un des objectifs, rejoindre la fameuse gare ferroviaire. Dernier endroit où les deux frères se sont vus, autant commencer par là. Vous le voyez, crash d'avion allemand. Présence d'une guerre passée. C'est assez creepy, on dirait une espèce d'Alice au pays des merveilles, un peu comme ça là. Mais c'est plus Alice retour au pays de la folie là, sur le thème. Vous avez vos objectifs principaux, bien entendu, vous pouvez aussi croiser d'autres maisons, là, comme celle-ci, et avoir une espèce d'acte secondaire qui se passe, cette musique dégueulasse. Quand est-ce qu'ils arrêteront de pleurer? Ça a l'air bien gentil, tout ça. On sent que le mec était rempli de bonne volonté et d'intention quand il a écrit ça. C'est une boutade, bien entendu. Oh, mais même quand tu l'arrêtes, ça persiste, quoi. C'est horrible. Bon, enfin, les autres maisons vous permettront de découvrir hein, voilà, ben, des coffres, par exemple. Ah, j'ai pas de rossignol. Est-ce que je peux m'en crafter un? C'était en rouge, je ne peux pas. Non, c'est vachement creepy de mettre juste des bustes de mannequins en guise de personnes là, ou d'amis imaginaires, je sais pas, hein. C'est ouf, il y en a partout. Donc, on va aller vers cette gare, premier objectif. La gare se trouve derrière. Ok, donc lui c'est une quête secondaire, donc pas obligé de la faire, mais bon, elle se trouve sur le lieu de la trame principale, il va falloir que je lui retrouve ses médailles de guerre. Donc voilà, on va passer les dialogues rapidement. Donc j'avais fait un bref cut, mais j'ai voulu juste voir le dialogue, combien de temps il dure. Croyez-moi que ceux qui sont fanas du lore vont vraiment en avoir pour leur argent. Bon, après, il coûte certes le prix fort. Il était en promo sur le PlayStation Network jusqu'au 10 août, date de sortie. Il était à 10€ moins cher. Mais là, la conversation a duré précisément 4 minutes et 10 secondes. Ouais, j'ai un petit chrono avec moi aujourd'hui. On est précis sur le temps. Donc voilà, vous pourrez parler à divers CPU, à divers PNJ,
qui, voilà, ça vous apprendra un petit peu plus sur l'histoire qui vous entoure. Donc, il faut que je trouve un moyen d'entrer dans le camp des Head Boys. C'est fermé, bien entendu. Faisons le tour. Logique. Un camp de hooligans. Ça va se friter à mort. On sent bien que c'est une arène que je suis en train de contourner. Et l'entrée. J'ai récupéré un rossignol, c'est parfait. Que l'on me demande maintenant. Alors, ouais, temps de chargement, tout ça, blablabla. On va continuer à fouiller. Les bouts d'étoffe, ça permet de faire des bandages. A savoir qu'en bas, dans le petit inventaire, R1 me permettra de sortir une arme, si j'en ai une, bien entendu. Le carré est vide, vous vous en doutez, je suis à poil. Flèche du haut, ce sera pour, du coup, les consommables pour se remettre de la vie. Flèche du bas, ce sera les objets à jeter pour créer des diversions. Je sais que dans pas longtemps... Dans pas longtemps, je vais avoir une compétence qui me permettra d'étouffer mes ennemis par derrière pour les rendre inconscients et du coup jouer beaucoup plus sneaky. Donc le fait de pouvoir jeter un leurre pour les amener quelque part et arriver dans leur dos. La VO par contre est fort sympathique, hein. On ressent bien la tonalité de l'accent british. Hein. C'est super. Mon inventaire. J'avais rien. Donc ça va. Je regrette à moitié. Donc voilà, le jeu se transforme en une sorte de Mad Max. Là, je vais aller dans une fosse. Allons faire couler le sang des impies. Il y en a une pour qui ça s'était très mal passé. Bon, le règlement, de toute façon, il y a que de la merde écrit dessus. Enfin, mais vraiment, ça a rien à voir avec le règlement. Genre, tu essuieras ton costard rempli de sang, ou des trucs comme ça. Je parle pas beaucoup, je commente en même temps parce que là à partir de maintenant je découvre un peu. Mais là de toute façon il n'y a pas grand chose à dire et vous pouvez le voir de vous-même quoi. Là le jeu réellement parle de lui-même. Bloody hell! Arthur Hastings! I'm sorry! I don't think I know you! Of course you know me! You got me set. Mon adversaire a l'air de me connaître. Et apparemment, il a été viré à cause de moi. Je crois qu'il a des comptes à régler avec ma personne. Ouais, bon ok, il y a zéro moyen de négocier, on va se friter la gueule. Deux armes au choix. Alors voyons. Ok, tout ce qui est rembourré dans le jeu, ça je l'ai lu, ça ne fait que assommer et ça ne tue pas. Les armes rembourrées assomment. Ouais, suffit que je le dise. Bâton pointu. On va lui fracasser la gueule à coup de bâton pointu. Prenons une arme dite létale. Hey, some guy. I got great odds on you. Don't fuck it up. He's gonna come on strong with that lead pipe. You're gonna want to block that. Allez. Baisse pas du tout sa vie, hein. C'est le triangle qui est dans le triangle qui est censé représenter sa vie, donc le triangle est censé diminuer. Là il est en hémorragie, on voit clairement du sang qui coule à côté de son logo. Appuyez sur R3 pour pouvoir repousser un ennemi au sol. J'ai pas l'impression que ça lui enlève plus de vie que ça. Attends,
pointe avec les poings. Je pense qu'en fait le truc pointu c'est juste pour mettre en hémorragie et puis après faut terminer. Voilà, avec du fist. Oh yes, il y a une cure de plomb. Ah, j'ai beau faire un, ça s'enlève pas. Peut-être dans le menu. Il est où? C'est par où? C'est. Ah, ok, c'est bon, il est là. Yo, et où je vais? Ah oui, 2 versus 1, mais oui, très, très legit comme combat. Donc vous voyez, vous allez avoir du coup garde, vous aurez possibilité d'avoir de la contre-garde grâce à votre arbre des compétences pour envoyer le coup. Je sais que des coups portés à la tête pourront même les assommer. Il y a une durabilité des armes, c'est bon à savoir aussi, vous le voyez, c'est la barre en bas de l'arme. Je découvre. Putain, mais lâche-moi, toi! C'est abusé, elle me met que des coups en pute depuis tout à l'heure, là. Enfin, bon. Bon, du coup, je pense que vous avez vu à peu près tous les aspects et de voir le monde noir qui commence à nous entourer. Je ne suis pas si happy que ça, comme le dit le jeu. Du coup, on va continuer dans les profondeurs, mais on va quand même arrêter le spoil à ce niveau. Je pense du coup que je vais m'arrêter là. Petite découverte du monde pseudo ouvert, du fighting, un petit moment pour vous montrer le côté alchimie, échange, construction de l'inventaire. On va arrêter le spoil maintenant. Oh, et je suis mis dans une fosse à cadavres, c'est génial. On va s'arrêter sur cette du coup belle image. Et du coup, avec tout ce que j'ai pu vous montrer de ce test gameplay découverte, j'espère que le jeu We Happy Few vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et à ciao !